Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est du poulet mariné cuit au four, accompagné de riz et une compotée de légumes. Pour l'assaisonnement et la marinade du poulet, il nous faudra 2 gousses d'ail hachées, mixer une carotte et un oignon. J'assaisonne le tout d'une demi-cuillère à café de sel, de poivre, de coriandre, l'équivalent à 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de crème basilic ainsi que 2 cuillères à soupe de sauce soja. Vous pouvez également rajouter un petit peu de jus de citron. Je mélange bien le tout, je viens ensuite rajouter un grand verre d'eau, laisser mariner au moins 2 heures dans un plat au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Pour ma compotée de légumes, je vais faire cuire séparément une aubergine coupée en petits dés, une portion de courge, je vais faire de même avec une courgette, le tout cuit séparément. Vous pouvez si vous le souhaitez rajouter un oignon entier et quelques gousses d'ail. Je finis avec une tomate, je rajoute tous mes légumes, quelques brindilles de persil ou de coriandre, un petit peu d'herbe de Provence. Je couvre et je laisse mijoter encore quelques minutes. Après les 45 minutes de cuisson, j'ai sorti mon poulet du four. Il est bien doré et bien cuit. La sauce a réduit de volume. Je rajoute 15 cl de crème liquide. Et pour accompagner le poulet et les légumes, j'ai fait cuire un petit peu de riz basmati sur lequel je dispose le compoté des légumes. Je dresse mon morceau de poulet ainsi que la sauce carotte oignon sur le dessus. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube Les Recettes de Saba. Sur ce, régalez-vous, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt.